Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Il est 19h et nous sommes aujourd'hui le samedi 30 novembre 2024. Il est 19h et nous sommes aujourd'hui le samedi 30 novembre 2024. Nous avons une heure d'émission de 19h à 20h. Je vous attends et je vous dis encore bonsoir pour une énième fois. Je vous attends, mesdames et messieurs. Connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. J'attends, bonsoir. Bonsoir, personne. Merci d'être là. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Je vous attends, connectez-vous. Bonsoir, précieuse Nadège Thomas, bonsoir. Congo Tuzon Zélène. De Cisarwa Makoko. De Cisarwa Maluango. Congo Diele. Bonsoir à tout le monde. Thank you.
Mesdames et messieurs, Karla, nous sommes maintenant en exil forcé. Betoto vere Congo kuma kanga tena. Bobo lomlovoa Congo ni ba ou bekuna. Betoto vere Congo kuma kanga toka. Avec un exil forcé, parce que si on parle, ça signifie que nous sommes contre le gouvernement. Officiellement, lorsque je parle, non. Ils n'ont pas de problème avec moi, je n'ai pas de problème avec eux officiellement. Mais officieusement, je dérange parce que je suis en train d'éveiller les consciences de nos compatriotes. Officiellement, non, Annick Bertin ne fait rien de mal, il n'a pas les armes. Mais officieusement, je dérange. Donc, je suis dans un exil forcé. Un exil que je n'ai pas désiré. Moi, je paie les coins de la Congo. Ngelen kwende na Congo ve. Parce que bayine ke kuna. Bayine me bak au Congo. Est-ce que réellement bake ba Congo? C'est la question que je suis en train de me poser, que je vais vous poser, mesdames et messieurs. Est-ce que les Nordistes sont Congo? Ou bien les Congo, ce royaume Congo, Congo de Ntotila? C'est le sud. Est-ce que les Nordistes sont Congo? Est-ce qu'ils connaissent la notion d'une nation-État? Je ne pense pas. Est-ce que Bakeba Congo face au Beto? Ou bien ba Nordiste katoka kote akaka, il faut mettre ça le test ADN aux Aba si Bakeba Congo face au Beto. Parce que nous, nous sommes du royaume Congo, Congo d'Entotila. La partie sud. Est-ce que la partie nord? Là, je rejoins Bernard Mpongi, qui nous dit que Batu ya iba kota kaka na kati infiltration na kuzi bak babi me betu na ko empêcher betu de vivre na la terre promise ya betu parce que toto yayi nzambe mutu pesa betu yao betu vwanda kana kati Egypte betu vwanda ka bas esclave betu me basika ba me pesa betu toto. Mais maintenant, le monde jure na toto ya beto, ya inzambe pesa beto. Est-ce que ba nordiste accompagné que beto kote beto katuka kuna na kati Egypte, où nous étions dans le désert, le beto na kuiz malembe malembe. Est-ce que ba kota na beto, na kuiz empêche beto de vivre dans la paix? Est-ce que les nordistes sont Congo? Mesdames et messieurs, je pose la question aujourd'hui. Pour ne pas dire, est-ce que les mochis sont Congo? Parce que, si on procède maintenant, à des tests ADN, peut-être qu'aujourd'hui nous allons comprendre que les Nordistes sont particuliers, les Mbushi ne sont pas Congo, et que les Congos sont ceux qui sont au sud. N'ayons pas peur des mots, mesdames et messieurs. Ça va choquer. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce que les Nordistes sont Congo? Parce que ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. Nous avons fêté là. La République du Congo a été créée en novembre 1958. Et moi, je suis né en octobre 1958. Un mois avant la création de cette République-là. Ça fait 66 ans que cette République existe. Et depuis 66 ans, si on prend le règne des Congo, des sudistes, il y a eu Massamba Déba, il y a d'abord eu Ngouabi, et pardon, Youlou, Massamba Déba, et puis Pascal Issouba. Sur les 66 ans de ce règne-là, de cette république, les sudistes ont pris le pouvoir au moins peut-être 16 années sur 3 présidents. Issouba, un mandat de 5 ans,
Si on prend Yulu, je ne sais pas combien de temps, au moins, disons 55 ans, nous sommes là, nous avons dirigé ce pays pendant 15 ans, démocratiquement. Mais ça fait un demi-siècle que les Nordistes sont au pouvoir. Et le pouvoir des Nordistes, ce n'est pas les urnes. Si vous regardez les trois présidents nordistes, ils n'ont jamais été élus au suffrage universel. Yomé n'a jamais connu ce que c'est une élection présidentielle. Sassou n'a jamais connu une élection présidentielle lorsqu'il est venu prendre le pouvoir chez Yombi, il est passé par un coup d'État. Et il est venu encore reprendre le pouvoir chez Pascal Issouba par un coup d'État. Depuis 1997, ça fait 27 ans qu'il est là, par un coup d'État. C'est la raison pour laquelle je pose la question de savoir est-ce que les Nordistes savent la notion de la nation-État, où l'État est au service de la nation. Mais là, je pense qu'il n'y a plus personne qui va encore se leurrer. Nous ne sommes plus dupes. Après le discours du chef de l'État, qu'il a fait. Nous avons compris qu'il veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. C'est ce que nous avons compris. Ça signifie que le pouvoir doit rester au nord. Ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir, mesdames et messieurs. Avec quel résultat? Mesdames et messieurs, si on prend seulement deux mandats, je vais prendre deux mandats. 2015, lorsque le chef de l'État modifiait encore la constitution qu'il avait lui-même taillée à sa mesure. Il y a eu une élection en 2016. Dit-on que cette élection était gagnée par Moukoko. Il a pris l'élection de Moukoko. En 2021, il a pris l'élection de Guy Brice Parfekolila. Donc, si nous prenons 2016 jusqu'en 2026, il a pris deux élections qui ne sont pas les siennes. Il a pris deux mandats qui ne sont pas les siens. Mesdames et messieurs, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait de ces deux mandats? Deux mandats de trop alors qu'en 2015, il pouvait sortir par la grande porte. Et qu'en 2016, on pouvait y avoir ce qu'on appelle une alternative. Peut-être avec le général Moukoko. En 2021, on pouvait avoir la continuité de l'alternative avec Guy Brice Parfekolila. Non, il a pris les deux mandats. Qu'est-ce qu'il a fait avec les deux mandats? De 2016 jusqu'en 2024, ça fait 8 ans. Il va mourir au pouvoir. Parce qu'il se croit béni. Il se dit qu'il a une mission. Parce que chaque fois qu'il tente quelque chose, il l'obtient. Il a pris le mandat 2016 jusqu'à 2021, le mandat de Jean-Marie Moukoko, le mandat de Guy Brice Parfekolila, c'est celui-là qu'il est en train de prendre. Il a pris le mandat, le ciel ne lui est pas tombé dessus. Donc c'est un homme béni qui se dit que on va poursuivre la marche, c'est ce que nous a dit, on va continuer la marche, ce n'est que de l'orage et ça va passer. On va continuer la marche avec lui. C'est-à-dire continuer la marche, ça signifie quoi? Ça signifie que nous allons continuer, nous qui sommes originaires du pôle. Nous allons continuer avec 3 000 militaires qui sont là-bas depuis 97, alors qu'il avait gagné la guerre. Nous avons 3 000 militaires là-bas qui violent nos mamans, qui violent nos enfants et qui violent même nos petits-enfants. 3 000 militaires depuis 97 et on nous avait encore imposé un certain pasteur qu'on appelle Ndoumi. Et nous allons continuer la marche avec le même chevalier blanc qui veut mourir sur son trône. Et on n'a pas le droit de parler. C'est la raison pour laquelle je pose la question de savoir, mesdames et messieurs, est-ce que les nordistes sont congos
Congo avec un K. Ou bien c'est un autre peuple qui n'a rien à voir avec nous, les nordistes. C'est là où je vous dis que je rejoins Bernard Mpongui. Même si je ne suis pas d'accord avec Bernard Mpongui pour la fédération. Mais nous avons un ennemi en commun. C'est le chef de l'État et les nordistes. Avec Bernard Mpongui, Bet Mnouana est déjà aussi Balarina Babembe, mais Bet Yirikaka, parce que Bet Kaba Congo, Bet Yirikaka, Bet Kanababani Ming Bet Boutaka, y'a que cousine interne, Bet Lensouana, Bet Kayirika, Bet Lenouana, Babani, Bet Kokot, Nakatamazo, Papa, Ben Bika, Bet Kebika. Donc avec Bernard Mpongui, oui, on peut faire ce qu'on appelle une alliance de circonstances pour dégager Sassou. Et après, Mbabet Tala, Betkaba frère. Ce que je n'aime pas sur Bernard Mpongui, c'est le fait que Betkebik Toto Yabeto, Betkwen maintenant la Fédération du Sud, alors que Congodian Totila Kiyabeto, même dans le nord, Yakiyabeto. Parce que même dans ce nord-là, on peut trouver des nordistes modérés qui peuvent vivre avec nous. Il y a que problème 20. Nous pouvons trouver des nordistes là-bas qui sont modérés, qui peuvent vivre avec nous dans ce royaume-là. Mais Bethlen seul veut que Bethébikilba au le nord, Bethkwenda dans la Fédération du Sud, alors que Totoke Yabeto, Bakebaz infiltré. Ils ont éliminé tous nos cadres. Ils ont commencé à choisir les Congos qui vont leur servir. Les Congos dociles. Baba Congo, Yabizoba. Papa Gaillard, mais Bouzoba, Yamingi, qui n'a pas de l'Anda, Babatu, qui n'est même pas Congo. Je ne sais même pas si c'est un test ADN dans le nord, comme que parfois, Bakeba Congolais V, Bakeba Congo V. Parce que ce n'est pas possible que pendant 51 ans, si tu es Congo, tu ne peux pas aller tuer encore ton frère Congo sous prétexte parce qu'il est au sud. Si y a que frère, il y a que soeur, il y a que foyer V. Et nous avons fait un rossaliki. Tu prends tout ce qui est là-bas dans le sud et tu vas vendre aux étrangers, tu vas tout donner aux étrangers. Donc, comment peux-tu dire que tu es Congo? Il y a un ADN, il y a pas Congo V. Est-ce que ceux qui ont créé la République en 1958, est-ce qu'ils n'ont pas commis une erreur croyant que les Nordistes sont Congo? Je pose la question. Elle va fâcher. J'ai le droit de me poser cette question-là. Est-ce qu'ils sont Congo, les Nordistes? Un demi-siècle au pouvoir. Avec quel résultat? Ils ont tout détruit, ce que les trois présidents du Sud ont construit. Parce que nous sommes là pour servir la nation. La preuve en est qu'on a fait appel à eux, qu'ils viennent travailler avec nous. Mesdames et messieurs, je vais attirer l'attention maintenant. Il y a pas originaire, il y a le sud. Ça fait longtemps que j'attire l'attention. Parce que mon Mais je pense que je mets de la profondeur dans tout ce que je vous dis. Ma vidéo qui bicana, ma Mesdames et Messieurs, si en 2026, je le dis et je le réitère encore là, si en 2026, Betbak pouvoir y arriver, nous serons dans la merde. Mbabenke tel que Mbabake Sosokwe face Beto. Nous sommes comme un peuple juif que Banazi Kezolokoumane
Manissa, ba Nazine, ba Nordiste, que Manissa, pas du tout. Parce que Bim, nous, qu'on a bête, même sap, il y a qu'on a bête qu'on a le sud. La musique qu'on a si qu'on a bête qu'on a le sud. Les plus grands chanteurs au Congo proviennent du sud. Les sapeurs, les plus grands sapeurs, Bim, nous, la sap que, ba bois, le nous, qu'on a y a ouvé, il y a qu'on a bête qu'on a le sud. Sud. Nous sommes un peuple béni parce qu'on a bim, nous surtout, nous avons le pétrole, nous avons le chemin de fer, nous avons le port, nous avons le fleuve, nous avons tout. Ni bato vous enviez béto. Alors ils vont nous exterminer, nakubak babim béto parce que béto qu'on a lumière. C'est notre lumière du sud qui dérange les nordistes. Mesdames et messieurs, ils ont les armes, ils ont les généraux. S'ils étaient Congo, s'ils savaient ce que c'est la notion de la nation, ils devraient neutraliser Denis Sassou Nguesso depuis longtemps. Mais comme il y a un pacte du Nord, le Nord fait bloc, c'est là où je me pose la question de savoir est-ce qu'ils sont Congo? Donc, depuis le groupe Fouabeto, dans la région de Poule, on nous a mis 3000 militaires là-bas, depuis 1997. Pendant ce temps, le Nord, rien ne bouge. Bah, bien. Bah, richesse, ça veut dire que c'est pas qu'on tourne dans le Nord, na Oyo, bimine, surtout, me koumane kuna. Et celui-là veut mourir sur le trône en tant que chevalier blanc, parce qu'il pense qu'il a une mission. Nous avons passé une mission à cause de Manis Beto. Mais peut-être que Badian Seke, nous sommes un peuple béni. Mesdames et messieurs, je parle en tant que sapeur, sapeur de terroir. Les mots que Zonzaïa, moi, sapeur de terroir. Je ne suis pas un sapeur, je ne suis plus dans cette sape-là de la société d'ambiance et des personnes élégantes. Le sapeur que je suis, c'est le sapeur de terroir. Celui qui se bat contre les inégalités et les injustices sociales. Je suis ce sapeur-là. Je ne suis pas un sapeur de la République. Je ne suis plus dans la société d'ambiance et des personnes élégantes. Je revendique, là, je parle en tant que sapeur de terroir. Celui qui se bat contre les inégalités, les injustices sociales. C'est ce sapeur-là que je suis. Je le dis parce qu'il y a ceux qui viennent critiquer le sapeur. Je suis le sapeur de terroir, le gardien du temple. Je suis matsouanisme, je suis corbeau. Je suis Congo et je dois me battre pour le Congo. Mesdames et messieurs, depuis que Basika qu'on a désert. Dans le désert, nous avons fait 40 ans. Je vous l'ai dit, si nous ne faisons pas attention, nous allons vivre la vie de Moïse. La vie de Moïse qui était fractionnée en 3 fois 40 ans. Bête me sale 40 ans à désert, bête me cuisa. Papa y a aimé bak bête déjà 40 ans, Sassou nous appelle déjà 40 ans, bête me comme la 80 ans. Donc la République, ça fait 66 ans, ni âge ya mounou. Na katia 66 ans, la République m'a seulement donné 2 passeports. République a bête moussi. Pendant ce temps, Baba me comme un milliardaire, Baba n'a pas passeport diplomate, Babi m'y a bête, Baba qu'on a personne à bas étranger. Ba passeport a bête qu'on a bas étranger, Baka d'entité a bête qu'on a bas étranger, y'a qu'on a ce qu'on a bas étranger. Est-ce que Ba tu as que Ba Congo face au bête, n'a beno? Si vous êtes même une ADN, il y a la première dame, vous êtes tel que, il y a un royaume Luango V, il y a une ville V. Parce que mon ville bat me coulisse mon nom. Ce sont les villes qui m'ont éduqué, je ne me reconnais pas dans cette première dame-là. Moi, c'est une ville. Il me coulisse mon nom. Je ne pense pas que la première dame aussi est mon ville. Je ne pense pas. Il y a un comportement de ville V. Le couple là est étranger, mesdames et messieurs. Si vous êtes là, ADN, vous êtes tel que vous êtes congolais, veillant et nakintrayant. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, si en 2026, on ne prend pas le pouvoir, si le sudiste ne se lève pas,
Les nordistes ne bougeront pas. Ça fait 51 ans qu'ils sont au pouvoir. Baki Bouchefé. Bah, au problème, bah, au cousin, ça n'a pas coup d'État, c'est le président qui se diste. Est-ce que les nordistes, pas que ma Congo, fasse bête na ben? Posez-vous maintenant cette question-là, ben bate qu'on a landa bao. Est-ce que bah tu es? Est-ce qu'ils ont l'ADN Congo? Entre eux, les loups là-bas, ça ne bouge pas. Mais bizobe ni bête batika konda fondaka, ngeko konda funda, frère nge, soeur nge, nasika yaba, batina. Alors, baba kouza funda bao, baba kouza funda ve nasika bête, kak bête batika konda fondaka. Et quand je pense qu'il y a des Larry Congo qui sont en train encore de s'activer pour que leur champion se présente encore en 2026. Il y en a qui s'appellent Malonga, il y en a qui s'appellent Malanda, il y en a qui s'appellent Samba, Bakoum, mais si on est bien, il y a qu'à Baka d'entité. Baka Congo, Baka Larry. Le plan Mouébara, mesdames et messieurs, a commencé depuis longtemps. Là, il est là. Le chef de l'État ne veut pas bouger. On va continuer la marche. Et quand je pense, mesdames et messieurs, qu'il y a des Congos qui sont en train de faire des émissions qui disent que on va leur forcer le vivre ensemble. Tu es Congo, tu es sudiste. Tu fais des émissions, tu vas dire que on va leur forcer le vivre ensemble. Comment vous allez forcer le vivre ensemble avec des gens qui ont mis 3 000 militaires qui violent vos parents là-bas dans la région du Poule, où vous n'êtes pas du Poule? Où vous êtes un infiltré aussi? Si vous êtes dans la région de Poule, vous ne pouvez pas concevoir que depuis 97, il y a 3 000 militaires là-bas et vous allez dire quoi? Vous allez faire des émissions, vous allez dire quoi? Non! On va leur forcer le vivre ensemble. Avec quoi? Si nous sommes Congo, nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien. Comment tu vas aller forcer le vivre ensemble avec quelqu'un qui viole tes parents, qui viole ta petite soeur, qui viole ton fils, même ton fils, puisque ton fils est devenu leur femme. Et tu vas leur forcer le vivre ensemble. C'est comme si tu abdiques, c'est comme si tu acceptes cette volonté-là. Qu'ils continuent cette marche, comme ils disent, on va continuer avec 3 000 militaires là-bas qui vont continuer. Ils ont déplacé Ntoumi, ils nous remettront encore à notre Ntoumi. Nkoran Kouata, Singen Kongo, Fouaza, Kabanamata, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas forcer les gens à vivre avec vous. Les gens qui ne vous aiment pas, qui ne sont pas Congo. Je croyais que dans le discours du chef de l'État, mesdames et messieurs, qu'il allait peut-être reconnaître qu'il a échoué. Je vous parle seulement de ces deux mandats-là, deux mandats de trop, deux combats de trop. Le mandat de 2016 qui n'était pas à lui. 2021, ce n'était pas son mandat. Il a pris les deux mandats pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de ces deux mandats-là? Il n'y a rien. Il a tout détruit. Est-ce que vous avez des questions à poser, mesdames et messieurs? Je vais quand même vous signaler que vous qui avez l'habitude d'aller au Congo-Brazzaville, si vous avez l'habitude d'aller au Congo-Brazzaville, n'intervenez pas sur cette émission-là. Ne posez pas de questions. Parce que cette émission, ils vont la regarder, ils vont essayer de voir qui a commenté. Ne commentez pas. Mais par contre, si vous avez la possibilité de prendre cette émission-là, de mettre ça sur les réseaux sociaux, mettez ça sur les audios pour que ça puisse rentrer dans les groupes. Parce que nous n'avons que les réseaux sociaux pour faire passer nos messages.
Ne commentez pas, mesdames et messieurs, si vous avez l'habitude de partir au Congo Brazzaville, ne commentez pas. Ne faites pas de pouce, ne faites absolument rien. Prenez cette vidéo, mettez ça en audio et vous partagez ça dans tous les groupes de réseaux sociaux pour qu'on comprenne que l'heure est grave. Mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, le Sud et le Nord. Le Sud doit faire de son mieux pour reconquérir ce pouvoir-là afin de pérenniser la paix, la vraie, le vivre ensemble. Je le dis et je le répète, dans ce royaume Congo, si nous prouvons qu'au Nord, il y a des Nordistes modérés, nous allons vivre avec eux. Nous sommes tolérants. Mais on ne peut pas se permettre de dire que nous allons vivre dans la fédération du Sud et de l'autre côté, on va. Non, Congo du Moshkwadina. Congo du Moshkwadina, Nzambi du Moshkwagana. Ça va au nord, au sud, à l'est et jusqu'à l'ouest. On ne peut pas laisser le nord. Nous allons récupérer tout le Congo. Mesdames et messieurs, je le dis, je le répète. Tous ceux qui ont trahi le Congo, les Lari, les Congolais, qui ont maintenant beaucoup d'argent, il est grand temps maintenant pour vous de vous racheter. Donnez un peu d'argent, vous êtes devenus des millionnaires, des milliardaires. Donnez l'argent pour que Tassoumba Matta. Il est grand temps de vous racheter. Tassoumba Matta. Même si moi, je n'ai pas la force de me battre. Mais je peux apporter une stratégie. Si on ne se bat pas, mesdames et messieurs, si on ne récupère pas, si on ne fait pas la révolution, s'il n'y a rien qui bouge, mesdames et messieurs, ils vont continuer de nous empoisonner. Ils vont nous éliminer, un à un. On n'a plus de cadre supérieur. Toutes les places stratégiques sont occupées par les nordistes. Nous sommes devenus des sous-hommes, des sous-Congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes devenus des esclaves modernes des nordistes. Sans que vous le sachiez, vous ne pouvez rien faire sans que le chef soit un nordiste. Il n'y a pas d'alternative, mesdames et messieurs. Il faut qu'on récupère le pouvoir. Faut t'abonner, tu me fais mon tchou-tchou, parce qu'on te trouve bête. Il faut que tu bats le pouvoir. Il y a toute une guerre bête. Aucun nordiste ne bougera, mesdames et messieurs. On a essayé même de voir si avec Pierre Ngolo, il pouvait nous aider dans la destitution du chef de l'État pour que lui, qui est président du Sénat, qu'il prenne le pouvoir. Mais ça, c'est un nordiste. Il est du PCT. Qui a fait de lui qu'il soit un homme riche? C'est Denis. Il ne bougera pas aussi. Donc même les Pierre Ngolo, maintenant, on s'en fout. Mais on s'en fout. Dès l'instant où le chef de l'État a fait un discours, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons proposé à Pierre Ngolo, maintenant, on s'en fout. On lui met dans le même bateau. Si demain ça pètera aussi pour lui. Sans aucune circonstance atténuante pour M. Pierre Ngolo. Les Lari qui ont l'argent, bah, qui rachetez-vous, sinon, bah, boire le que vous avez dit, que 3 000 militaires sont là-bas. Depuis 97, ça fait 27 ans. Bamibouti 3 000 militaires. Et pendant ce temps là-bas au nord, c'est calme, mais un peu pelé. Nous avons des officiers supérieurs dans l'armée. Mais ça ne bouge pas.
Je vous l'ai dit, toutes les femmes qui étaient dans le RFC, bam, bam, donc bam, fatigué, bam, la police, et la nouvelle génération aujourd'hui. Ils ont remplacé la nouvelle génération, ce sont des TikTokers. Bah, comme ma influenceuse, comme ma rondo, bazab relevé, yakoujoué na boala. Les mamans d'aujourd'hui, alors que les mamans d'hier étaient dans le combat, yabobia et bakina ba rondo, bakina ba TikTok, bakina finga sanaka, bakina ba saba secret. Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de bête à Boubiaï. Aucune femme ici dans le circuit-là, à part celles qui ont l'habitude de ce combat-là, elles sont peut-être même pas une dizaine qu'on retrouve. Les Natikongo, Congo, tout ce monde-là, bah, maman Olga Kenouanak depuis Canada, même si de temps en temps, voilà, bête qu'on a soigné, mais bah, qu'on a fait un combat là-haut. Nabangouli. Maman Djokolo, bah, on y a ce qu'on a fait un combat, mais pas que bah, il quoi. Par rapport, n'a pas eu qu'on a tapé que bah, chaussures, que qu'on a pavané, que niveau Zanda, bah, tel bah, Chiri, bah, que bah, influenceuse, bah, que bah, chroniqueuse, bah, que bah, Rondo. Donc, les femmes, les mamans d'aujourd'hui ne savent même pas comment jouer un rôle. Non, bah, que Vingla, bah, qu'on ne connaît pas, qu'on ne passe ma tête, quoi, bah, on a ce que bah, Nordis, bah, passe pas, bah, Mbongo, bah, son balopang, bah, son basak, bah, son bakouza, ma tête, bah, batou. Rôle, bois les canaux, qu'on baka na kulemba na kutelema baka kuzonza et puis baka kuzonza wo ba bush autorisé ya inki bush autorisé ya okote ya okote. Mesdames et messieurs, heureusement que j'ai mon propre média. Dans cette vérité-là, quand je parle de cette vérité, je vous le dis, aucun chroniqueur, aucune chaîne ne pourra m'inviter. Celui qui m'invite, il perd sa place. Parce qu'avec moi, ça ne badine pas. Il n'y a pas de question formatée, il n'y a rien. Donc on ne m'invite pas. Heureusement que j'ai mon propre média. Et mes publications ne sont pas reliées. Ce n'est pas un problème. Mais que Bikana, Nakacha, ça va rester là dans les annales, ça va rester dans les réseaux sociaux, nos enfants, nos petits-enfants, un jour pourront découvrir qu'ils avaient un papy qui se battait pour le Congo. La situation est chaotique, mesdames et messieurs. Les nordistes veulent nous prendre le Congo. Ne l'oubliez pas, Fobinzabiao. Ils n'ont pas la notion d'une nation. Ils ne savent pas la nation. Pour eux, tout ce qu'ils savent, c'est leur région, le nord. Le tribalisme, c'est-à-dire eux d'abord, le nordiste d'abord, et le sudiste vient comme subalterne. Eux d'abord. Ils font bloc derrière le chef de l'État, alors qu'ils ont les armes, ils ont les hommes pour le destituer. Non. Ce qui revient à dire que moi, je suis chrétien catholique aussi pratiquant. Il faut repartir vers l'Ancien Testament, mesdames et messieurs. Tout est dans la Bible. Œil pour œil, dent pour dent. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Monsieur Denis Sassou Nguesso est venu par les armes. Il faut le dégager par les armes. Il n'y aura plus de dialogue parce qu'on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle une nation. Pour lui, c'est le Sassouland où il place ses enfants, ses petits-enfants, où il fait marier ses petits-enfants avec l'argent du contribuable pendant ce temps congolais à cause de Toto. L'autochone, monte à cause de bois, les kéna kemba, kakéna hôtel passi, yana no kwelsa baba niandi, bako kwan ba neven, ba niesa, ba iki, bakéna sakana na mbongo ya beto, bakéna na pointe noire, bakon bakéna nkai, bakon bakéna bakote nyo sutu, na bato tu abeto, ba metteke na ba cimetière, ba metteke na bois ya beto, yana metteke nyo so. C'est là où je vous pose la question, est-ce que batu ya yi, nakati ya ideye na bao? Est-ce qu'ils sont Congo?
Comme ça, désormais, les gens qui ont été nassigaba, tout le monde qui a été nassigaba, qui a été nassigaba, qui a été nassigaba, qui a été nassigaba. Et l'argent, vous allez amener ça où? Même le chef de l'État, avec tout ce qu'il a ramassé comme l'argent, il va amener ça où? Est-ce qu'il va corrompre la mort? Est-ce qu'il va corrompre Dieu? Il va peut-être corrompre le peuple, mais il n'arrivera pas à corrompre Dieu, parce que le maître du temps, c'est celui qui est en haut. Pour lui, il se dit que il n'y a jamais deux sans trois. Il se dit, j'ai pris le mandat 2016 de Jean-Marie Moukoko. 2021, j'ai pris le mandat de Guy Brice-Parfait Korela. Mais il n'y a jamais 203, 2026. Je peux encore me taper le mandat de je ne sais pas de quel jeune homme qui va se présenter là. Tant que j'ai l'armée, j'ai la police, j'ai la douane, j'ai toutes les institutions derrière moi, je veux mourir au pouvoir. Parce que je suis protégé par des nordistes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si Dieu le veut, je dis bien si Dieu le veut, je vais prendre 2 semaines. Nous sommes le 30. Dans 2 semaines, ça me fera 10 ans de chemin de croix. Ça fera 10 ans dans 2 semaines. Je vous ai déjà donné rendez-vous pour le 14 parce que je vais faire le point de ces 10 ans de chemin de croix. J'aborderai toutes les questions, mais je vais commencer maintenant là. Si Dieu le veut, mesdames et messieurs, je reviendrai demain, on va continuer nos abysses. Après le 14 décembre, mesdames et messieurs, ça me fera 10 ans. Le 15, je m'aurai changé de vie. Ça fera 10 ans. À partir du 15, je vais encore muer la peau comme que ça l'a kanyoka. Moi, Katula, nous tu as qu'un amour, il y a pas plus cher. Il y a aimé Vania pendant 10 ans. Je redeviens de nouveau aussi, parce que j'ai payé. J'ai payé ma dette à la société, me foutre aussi dans ce qu'on. Le 15, mon cavale, mon tu as mal au mal. Si Dieu le veut, je reviendrai demain. On va continuer pour vous dire, pour vous sensibiliser à son mais il faut que nous sachions que nous sommes en guerre. Il y a deux blocs au niveau de Congo-Brazzaville, il y a le nord et le sud. Il y en a d'autres qui vont vous dire que oui, mais Annick Berthet est en train de muscler son discours, il devient radical, il devient extrémiste. Est-ce que chez eux là-bas au nord, ils ont 3 000 militaires qui surveillent leurs parents, matin, midi, soir, qui violent leurs parents? Comment ne pas basculer dans l'extrême? Comment ne pas muscler un discours quand on pense que nous avons 3 000 militaires dans la région de Pôle, alors que la guerre était finie. Et on nous avait imposé une Ntoumi. Dit-on que c'est un fugitif, mais un fugitif qui est armé, qui a toute une armée, qui marche avec les armes, qui se déplace comme il veut. Nous sommes Congo, mesdames et messieurs. Mais nous sommes au sud. Ceux qui sont au nord ne sont pas Congo, même comme on a doute. Moi, j'ai des doutes maintenant. Parce que si nous sommes Congo, peut-être qu'on va avoir un statu quo à face à vie. Combien de fois nous avons voulu dialoguer et que le dialogue n'a jamais été. Nous avons fait la conférence nationale, Bet Mosourou Maboko, c'est fini, non. En 97, il vient, non. Croyons faire mieux.
97, but me sokol ma boko 92, imen, oui, but que nous diakve, oui, nous sommes à Comodien Totila, oui, c'est bon, lavement des mains, 97, on oublie tout ça, bon, on vient nous imposer le Sassolande, il change la constitution, il fait tout, il est nomme maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un type comme ça? On va dialoguer encore quoi? Tous ceux qui sont là, qui sont dans le gouvernement, qui avant le député, au lieu que vous lire le député, c'est lui qui nomme. Ce sont des gens qui sont nommés, pas élus. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas ton droit public? Ce n'est pas un état de droit, il n'y a rien. Donc, il y a qui dit que tout tu es bête, il y a beaucoup de tu es bas. Donc, Bakibanani, ils sont qui? Ce n'est pas des Congos. Nous nous sommes trompés, peut-être. Et je le dis, peut-être qu'il y en a aussi qui sont modernes. Mais ceux-là, ils vont rester dans la République, puisqu'on a créé cette République ensemble. Bah, père fondateur est la République. C'est le vieux Yombi, le vieux Pango, Nabayulu, Banding, Nyosutu Vanda, Kuna, lorsqu'on a fait cette République-là. C'est pas une République de Lari, c'est la République Yabakongo. C'est le royaume Congo. Sauf que le royaume Congo n'existe plus, mesdames et messieurs. Nous sommes maintenant dans le Sassolande. C'est la raison pour laquelle je me dis, mais tiens, il y a des généraux. Les nordistes ont même oublié que Marie Ngouabi était assassinée. Tout simplement pour que le pouvoir ne reparte pas chez les sudistes, ils font bloc. Ils ont même oublié l'assassinat du camarade Marie Ngouabi pour faire bloc au nom du bloc du Nord, pour que les civils ne prennent pas le pouvoir. Alors, comment voulez-vous me dire qu'ils sont Congo? Donc, c'est dit, c'est pas le pouvoir vert. Mesdames et messieurs, ça signifie quoi? Ça signifie que le CEDI se doit maintenant apprendre lui aussi à faire des coups d'État. Parce qu'en face, on ne connaît pas le mot démocratie, on ne connaît pas ce que veut dire l'alternative. Faire tourner. En face, ce qu'on sait, ce sont les armes. Comme l'avait dit Marie Ngouabi, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Il faut que le sudiste puisse s'intégrer maintenant, ça, dans sa tête, que là-bas, il n'y aura jamais une vraie élection. Les nordistes ne veulent pas laisser le pouvoir. Il faut que les sudistes se mettent ça dans la tête. Il n'y a pas de démocratie, il y a la dictature. Et là où il y a la dictature, il faut repartir dans la dictature. C'est là où je dis, il faut repartir maintenant dans l'Ancien Testament. Œil pour œil, don pour don. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Si on ne dégage pas sa soupe, par la force, par la violence, par un coup d'État, il ne quittera pas. Il sera protégé. C'est ce que je voulais vous dire. Que ce langage-là soit cru, qu'il ne plaise ou pas. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je me bats pour le Congo. Un Congo qui va aller du nord au sud, à l'est jusqu'à l'ouest. Le Congo où moi je suis né en 58. Où on ne savait même pas s'il y avait des Mboshi, il y avait... Non, même la Kouzab, il y a un Mouteke, il y a un Banzaloko. Mais il y a un Banzaloko Congo. Ça n'existait pas. Ce tribalisme-là. Ça n'existait pas. Mais voilà qu'on habite ensemble. Mais là, c'est fini. C'est fini. Le sudiste doit mettre ça dans sa tête. Il faudrait qu'il fasse un coup d'État. Parce que c'est la temps des élections. Dans les élections, nous ne gagnerons pas. Parce que ce n'est pas un État de droit. Parce que ce n'est pas une république. Sassou ne peut pas aujourd'hui provoquer les élections pour que vous gagniez. S'il fait les élections, c'est pour qu'il gagne. Je reviendrai demain, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, si vous avez l'habitude d'aller au Congo-Brazzaville, ne commentez pas cette émission-là. Parce qu'ils sont en train de nous écouter. Si Dieu le veut, je reviendrai demain. Je vais peut-être prendre 2 semaines. Je viens de vous parler. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Moi, c'est le devoir à mon nom. Après le 15 décembre, nous avons avec Mugasala. Mais voilà. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Que chacun de vous puisse méditer
prenez cette vidéo, mettez ça sur dans tous les réseaux sociaux, mettez ça, puisque là, ça fait pratiquement une heure. Mettez ça dans les audios pour permettre. Yakwenditama. Pour nous dire qu'il y a deux blocs, le bloc nord, le bloc sud. Le bloc nord veut conserver le pouvoir. Le sud doit reconquérir le pouvoir. Par la force, bien sûr. Il n'y aura pas de dialogue. Il ne faut pas dialoguer avec quelqu'un qui vous met un pistolet sur la tempe. C'est-à-dire que leur dialogue à eux, leur vivre ensemble à eux, le vivre ensemble, on t'impose un vivre ensemble pendant ce temps que chez toi, dans ton village, il y a 3000 militaires. Quel est ce vivre ensemble-là? Et pendant ce temps, il y a le nord, il n'y a rien, il n'y a pas de militaires, tout est calme. Non, moi, je crois que je vais mettre 3000 militaires dans la région de Pôle. Et tu vas me parler du vivre ensemble. L'unité nationale, la concorde nationale. Mais c'est des mots vains. Mais c'est des mots vains. C'est ce qu'on veut nous imposer. Soit nous acceptons ça. Soit on se bat. Parce qu'en fait, de compte, mesdames et messieurs, cette république-là, qui fait 66 ans, nous ne jouissons pas de cette république. Ce sont eux qui jouissent, qui sont devenus des milliardaires de cette république-là que nous avons créée en 58. Les jouisseurs de la république, ce sont eux qui gagnent, qui viennent prendre tout ce qui est là-bas au sud, Bamekoumaba, milliardaire. Et bête, batakouz, totina, batakana, barichesse, nous sommes de plus en plus pauvres. On n'a pas de carte d'identité, baban que ça l'avait, baban et bête, babakan, mokoumaba, kentchabaou. Et c'est pas fini, on nous dit, on continue la marche. Je vous laisse méditer, mesdames et messieurs, je reviendrai demain. Merci à toutes les personnes qui étaient là, je reviendrai demain. C'est à vous de méditer maintenant. Bonne soirée, messieurs, dames, et je vous souhaite un bon début de week-end. Merci à vous.